Salut tout le monde, c'est Brocor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le sixième épisode de Luigi's Mansion 3. Donc sans plus attendre, c'est parti direct. Et on est à la recherche du vigile. Qui a lâché une petite clé, je pense que c'est ça qu'on entend. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'on peut regarder ici? Il a le bouton numéro 2. Ok. Il a une petite voiture de police. Ok. Ouais. Mais c'est tout? Elle est radine cette machine. Ah. Je vois. Au secours. Oh. Eh ben merci. Il y a encore. Hein. Ah, il n'y a plus rien. Déception. J'espère que Luigi t'est utile. N'oublie pas qu'il est assez malléable pour passer dans les endroits exigus. N'hésite pas à faire appel à lui. Oui. Je n'hésiterai pas. Donc cette clé je l'ai pas. C'est pas la bonne. Oui, c'est bon, on a compris. Luigi. Voilà. Donc le carreau. Non, c'est pas ça. Il faut qu'il réfléchisse quand même. Là, c'était trèfle, je crois. Non, c'est carreau, c'est là. C'est quoi cette plateforme ici, là? Alors. Mais non. Des sous, des pesos. Tu m'excuseras, monsieur le fantôme, mais j'ai plus d'urgent. Où es-tu? Parfait. Donc le clicker, c'est en dessous. Ouais. Thank you.
évidemment. Pardon? Au secours. Ok. Il fait un peu le bruit de Yoshi et de Luigi quand il est content. Un peu. La zone est nettoyée. Ah non, pas bonne idée. Pas bonne idée. Va chercher la clé, mon pote. Attendez, mais à nouveau un passage là. Oui, c'est le même que tout à l'heure. Ok, ça c'est juste au-dessus. Ah, il y a des lunettes. Je vois. Attention. Non. Ah, je peux pas. Ah oui, non, mais c'est parce que je me trompe de bouton. Parfait. Ok. Et donc la dernière clé... Enfin, l'avant-dernière clé.
Voilà les bobies. Ils sont pas là? Ok, surprenant. Donc là, je ne peux pas y passer. Donc... étoile pour l'endroit où se trouve l'agent de la sécurité. De plus. Ok. Ok, ok. Ah oui, je me rappelle. Faut que je le freeze d'un côté, que je fasse le tour et que je le chope par derrière. La base. Genre là, je fais ça. Dire qu'il était du genre à ne pas se laisser faire. Je suis même étonné que tu aies réussi à l'attraper. Il sera très utile dans mes recherches. Continue comme ça, mon garçon. Oh, toi-même. Alors, attendez une seconde, parce que là, je vois qu'il y a toujours les ciseaux volants. Là. Ça veut dire qu'il reste un fantôme là-dedans. Qu'est-ce que j'ai loupé ici ? Yes.
Est-ce que c'était juste ça ou pas? On va faire tourner ça à fond. Non. Il semble qu'il y avait un truc comme ça à un moment. Peut-être dans l'autre sens. Alors je rêve. Je me fais des idées. Moi, il n'y a plus rien. A priori, cette fois, c'est bon. Hello. Hello. Ils sont revenus, les ciseaux. Ça m'énerve. J'aime pas laisser un truc comme ça. Alors, c'est toujours comme ça. Qu'est-ce que ça peut être? Peut-être les deux qu'il faut faire tourner. Ouais. C'est rapide. Oh. Ok. C'est Noël. Voilà, je pense qu'on est bon. Oui. Allez, allons voir l'agent de sécurité. Il est temps. Il est parti en roulade, mais il n'a pas réussi. Ok. Ok. Je vais devoir utiliser Luigi. Dans un premier temps, en tout cas. Ah, il a des lunettes. Oh, dommage.
Un ennemi intelligent, intéressant. Ok, nouveau bouton. Étage numéro 2 si je me trompe pas. Alors, on va quand même faire un peu le ménage. Faut que je vérifie ici s'il n'y a pas des trucs planqués. La pièce est beaucoup trop grande pour qu'il n'y ait rien. C'est des machins que je vais devoir utiliser, bien évidemment, la ventouse. Bon, il n'y a rien de fou non plus. Là-dessus, je peux pas. Ah si. Ok. Là-dessus, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Un papier cadeau? Ok. Il y a un côté tellement satisfaisant à tout aspirer dans ce jeu. Truc de fou. Que dalle. Ah d'accord. J'aimerais bien me péter l'étagère hein, si je peux. Avec un carton, je pèterai rien du tout. Mais je vais essayer quand même. Ah si. Il en reste une. Ah non, il en reste deux, il y en a une ici aussi. Ouais, bon, on va faire ça là, les moins loin. Ok. C'est plus lourd. J'espère que ça cache un truc. Parce qu'autrement, je m'embête pour rien. On verra bien. Allez. Allez. Et boum! Que dalle. Non, je peux pas zioter. Ok. Peut-être là-dessus? Non, pas du tout. Truc à zioter. Bon, il n'y a rien. Je vérifie, hein, parce que ce serait dommage. Mais non! Parfait. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? A priori des pesos. Est-ce qu'ils vont pas nous mettre genre des donuts ou est-ce que je veux dire? Non, pas du tout.
Donc, les donuts sont là. Ouais. Mais encore. Ok. Ça, c'était les sales trèfles et tout ça. Non. 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 C'est un non. Tui. Alors, l'ascenseur est en bas. De ce côté. Parce qu'il y a des trucs à péter finalement ici. Allez, combattant. Que dalle. J'ai pas visé. Ok. Alors, est-ce que tout est visité à cet étage, finalement? Donc là, oui. Et là, oui. Ok. Mais il me manque quand même deux gemmes qui sont cachées quelque part. Pas où. Là qui est intéressant, faudrait que je cherche ça peut-être. On verra bien. Les amis, nous allons nous arrêter là pour cet épisode 6. On se retrouvera donc pour l'épisode 7 et l'étage numéro 2. Vas-y, pose-le. Parfait. Oh yeah. Les amis. Ah, Luigi, l'ascenseur peut te conduire au hall d'entrée du deuxième niveau maintenant. À ta place, j'irai tout de suite. Évidemment, on n'y verra pas tout de suite, on ira au prochain épisode, mon ami. Bref, c'était Brocorse. Je vous dis à plus.